أشهد أن لا إله إلا الله. Le Qatar est un petit pays qui se trouve dans la péninsule arabique au bord du golfe Persique. Ce petit pays, dirigé par la famille Thani, fait 11 500 km², ce qui correspond à la superficie de la région d'Île-de-France. Ses voisins sont l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, les Émirats Arabes Unis et l'Iran. Ce petit pays est malgré tout un pays très puissant économiquement, grâce à ses grandes réserves de gaz naturel. C'est le premier pays exportateur de GNL. Le GNL est la forme liquide du gaz afin qu'elle soit facilement transportée. Doha, la capitale, a vu sa ville se transformer de façon extrêmement vite. Vous pouvez voir ici le premier bâtiment qui a été construit dans les années 80. Et aujourd'hui, voici à quoi ressemble Doha. La population est composée de 2,6 millions d'habitants, dont 90% d'étrangers. Les Qataris représentent seulement 10% de la population. Depuis l'embargo, le Qatar a vu ses frontières voisines se couper et a compris une chose, qu'il ne fallait jamais être dépendant d'un pays. Depuis, l'émirat gazier a par exemple dû investir dans l'élevage de vaches provenant d'Australie pour pouvoir subvenir à la consommation de lait du pays. L'islam est bien ancré dans la société, la pratique est très facilitée. Comme ici, vous pouvez voir une des salles de prière dans un centre commercial. Une fois que vous entendez l'appel à la prière dans tout le centre commercial, il suffit de se diriger dans l'une des salles de prière. D'ailleurs, vous pouvez entendre l'adhan dans tous les endroits, que ce soit dans les centres commerciaux ou même dans les aéroports. Plusieurs espaces et endroits sont aménagés pour se promener, que ce soit en famille ou entre amis. Des endroits très agréables, propres, avec un sentiment de bien-être. Ce qui surprend ici, c'est le fait de se sentir en sécurité. Il est très difficile de s'imaginer se faire voler son téléphone ou même son sac. Ce sentiment de sécurité est un luxe qui se paye. Alors ici nous sommes dans le souk Warkif, c'est un souk où les touristes et les Qataris aiment se promener. C'est un souk vraiment au style ancien Qatari. Et ce qui est intéressant ici c'est que vous avez des restaurants, vous pouvez boire des cafés, vous avez une partie aussi marchand où on peut acheter des produits locaux, on peut se promener en famille ici, c'est assez intéressant. Après avoir pris un thé en terrasse, faufilez-vous dans les ruelles du souk et arrêtez-vous pour vous acheter une abaya ou même vous faire tailler un kamis sur mesure. Ici, nous sommes chez un tailleur qui fait des kamis personnalisés et on a le choix avec plusieurs couleurs. Donc le frère Machallah, il travaille avec beaucoup plusieurs types de tissus. Et comment ça se passe? Il vient, il te mesure et quand si c'est la première fois que tu viens, il te met toutes tes informations dans un gros book comme ça. Et comme ça, la première fois que tu viens, tu as simplement à lui donner ton numéro de téléphone. Donc moi, j'ai choisi deux couleurs, celui-ci et celui-là, et un autre blanc. Donc là, on a plusieurs types de blancs. Les frères et moi, ils sont très organisés. Voilà, vous allez à Souk Al-Warkif, vous allez trouver plein de tailleurs qui travaillent très bien. Le temps, c'est à peu près une semaine de livraison, donc c'est très raisonnable. Pour le prix, c'est vraiment très 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 raisonnable. West Bay est le quartier d'affaires de Doha. C'est ici où sont siégées les plus grandes sociétés qataries. Des sociétés pétrolières, de gaz, de construction, ainsi que toutes les sociétés étrangères.
Même ici, vous avez un endroit aménagé pour pouvoir prier à l'heure sans aucun souci. Ces immenses buildings sont à l'image de l'ambition du Qatar. Autrefois un simple village de pêcheurs, aujourd'hui Doha est une ville dynamique avec un centre d'affaires digne des plus grandes places au monde. La plupart des Qataris travaillent dans la fonction publique et le reste travaille dans des entreprises comme dans la construction, le pétrole et le gaz. Le désert a une place très importante dans le pays. Le week-end, c'est-à-dire le vendredi et le samedi, les Qataris ont pour habitude de passer du temps entre grillades et tours en 4x4. La première fois que je suis venu ici, cela fait environ 10 ans. Depuis, les chantiers se multiplient et le pays est en pleine construction. Au Qatar, il n'y a pas que des Qataris. D'ailleurs, on dit aussi des Qatariens. Il y a beaucoup d'étrangers, principalement des ouvriers bon marché provenant de l'Inde, du Népal, du Bangladesh et des Philippines. Vous avez aussi des Maghrébins, des Européens et des Américains. Comme dans la plupart des grandes villes au monde, vous avez des quartiers représentés par des communautés. Les Qataris ont une vie assez paisible, avec une culture bien présente. L'islam sunnite est la religion principale. Contrairement à son voisin de Dubaï, la vente d'alcool est strictement interdite dans le pays. De nombreux étrangers viennent tenter l'aventure qatarienne. Certains repartent, mais beaucoup sont tombés sous le charme de ce petit pays très accueillant. Mais comment se passe la vie au Qatar? Quoi de plus concret que de poser la question à un frère qui s'est installé depuis quelques années à Doha? Nous sommes donc au Qatar, accompagnés d'un frère qui s'appelle Mohamed qui a accepté de nous faire partager son installation au Qatar et toutes les informations, de nous donner des informations pour ceux et celles qui veulent s'installer dans ce pays-là. Donc actuellement, nous sommes dans le parc de Mia Park et dans le quartier West Bay. Salam alaikum Mohamed. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ça va? Ça va et toi? Ça fait un peu frais là. Un petit peu frais, mais ça fait plaisir. Ça fait On plaisir. a une jolie vue, on voit Ouais, West Bay derrière nous. la vue, y a rien à dire. Je me décale un peu pour que les personnes peuvent voir la belle vue. Donc Mohamed, commence par te présenter et après ensuite on va parler, on va discuter ensemble et voilà. Inch'Allah, avec plaisir. Alors, pour faire simple, je suis venu en fait au Qatar en août 2014, donc il y a un peu plus de 4 ans déjà. Je suis venu et j'ai intégré une entreprise française, donc assez connue dans tout ce qui est système sécurité, s'appelle Thales. Je suis venu ici grâce à un frère en fait, donc il m'a donné l'opportunité de venir. Et ça, c'est assez important le réseau. On en reparlera, je pense, un peu plus tard. Je suis venu en tant que contrôleur de gestion sur le projet de l'aéroport, en fait, du nouvel aéroport de Doha. Donc, moi à la base, mon background c'est finance. Donc, j'ai eu un master en audit et contrôle de gestion. Et on va dire, grâce à ça et ma courte expérience que j'ai pu avoir en France, j'ai pu venir à Doha plus facilement, on va dire. D'accord, donc tu es rentré par le biais d'un frère qui t'a fait venir directement au Qatar. C'est ça. La notion de réseau, elle est assez importante au Qatar. Parce que, comme on peut le voir, même au Moyen-Orient, bon, c'est un peu moins le cas pour Dubaï, mais il n'y a pas énormément d'offres. Et puis, même s'il y a une offre, il y a énormément de postulants, surtout D'accord. les locaux. Donc, si on vient de l'étranger pour prétendre à prendre un poste au Qatar, c'est vrai que les chances s'amenuisent énormément. D'accord, Donc, ok. c'est pas simple. Barakallahu fik, Au fil Mohamed. de Alors, j'ai fait une petite liste de questions. Aujourd'hui, par exemple, quelqu'un il veut venir au Qatar. On va aller directement dans le droit du sujet. Comment il fait pour venir au Qatar? Quelles sont les possibilités? Quelles sont les solutions? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il commence par quoi déjà? D'accord. Donc, je pense que pour venir au Qatar, ça peut être assez simple comme ça peut être très compliqué. Tout dépend en fait du projet. Donc, je pense que le plus important c'est de bien déterminer son projet. C'est-à-dire, est-ce que je viens au Qatar pour je sais pas monter une entreprise ou est-ce que je viens en tant qu'employé et à partir de là je vais commencer à postuler.
Donc on part du principe où la personne n'a pas de réseau, elle va postuler sur des sites. Il y a pas mal de sites en fait qui permettent d'accéder à certaines offres. Donc si la personne a cette chance en fait d'être interviewée, d'être appelée depuis le Qatar, à partir de là, l'entreprise va la prendre en charge. Du coup, elle va lui faire son ID, donc sa carte de résidence en fait au Qatar. Et ça, c'est l'élément le plus important. Au Qatar, on peut avoir accès à beaucoup de choses, mais tout part de la résidence. Donc, D'accord. pour avoir une résidence, il faut un travail. Donc, en tant qu'employé ou en tant qu'entrepreneur, dans tous les cas, il faut obtenir cette résidence. Pour monter une entreprise au Qatar, Donc en fait, si je comprends bien, oui. tu as deux possibilités. Soit tu viens via un job de l'extérieur, ou sinon tu as la possibilité de créer une entreprise ici. C'est bien ça? Exactement. Donc en fait, le Qatar est assez demandeur des profils européens. Donc concrètement, pour se dire les choses franchement, il y a énormément de manpower ici au Qatar, et c'est de La la manpower, c'est manœuvre, voilà, c'est de la la main-d'œuvre. manœuvre bon marché. D'accord. Donc qui dit manœuvre bon marché dit grosse concurrence. Donc les profils européens, quand je dis européens ou américains, ils se différencient un peu grâce à leur expertise. Voilà, c'est souvent des diplômés. Du coup, ils vont être recrutés pour leurs compétences. Donc, en fait, un Français, il aura plus de chances d'être recruté via son diplôme. Donc, il ne faut pas se mentir. Si une personne, je ne sais pas, est comptable, il veut venir en tant que comptable, c'est très difficile. Des comptables, il y en a à l'appel. Par contre, si voilà, il a de l'expérience et il vient se positionner en tant que manager, et on verra que souvent, les profils européens sont les managers. D'accord, donc faudrait plus viser des métiers où on sait qu'il y a moins de monde, où il y a peut-être plus de compétences, ou peut-être que, je sais pas, moi c'est ça, c'est ce genre de métier qu'il faut Ce que peut-être tu dis, viser. c'est assez intéressant. Il faut viser des secteurs qui sont recherchés et prisés. D'accord. Donc, le Qatar, je pense qu'on entend parler du Qatar grâce à la Coupe du Monde, le rachat du PSG et de certaines enseignes en France. C'est un pays en construction, en développement. Donc, c'est une croissance à deux chiffres. Donc, c'est un pays qui recrute énormément. Donc, ça, c'est assez intéressant. Et du coup, il y a des secteurs qui sont prisés, comme la construction. Donc, c'est un pays qui se construit, qui est sorti de terre il y a, on va dire, une dizaine d'années, on va dire Ah ouais, 10-15 ans. carrément, ouais. Donc forcément, si une personne, je sais pas, est ingénieure en construction dans le bâtiment, voilà, elle a plus de chances de se positionner au Qatar. Après, il y a d'autres domaines, des fonctions support, dans la finance, tous les secteurs. J'ai envie de dire, il faut pas se limiter, tous les secteurs. Et l'entrepreneuriat aussi, faut pas se limiter. Il y a toujours possibilité de venir en tant qu'entrepreneur. D'accord, donc on a parlé un peu de tout ce qui est salarié, donc en fait, concrètement, on peut postuler de l'extérieur, enfin sur le site spécialisé, c'est bien ça. C'est ça. Et maintenant, tu peux nous parler un peu plus de la création de société. On entend beaucoup parler, tu sais, faut être sponsoré, enfin avoir un sponsor, être en 51 avec un Qatari, 49, etc. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Alors, le Qatar, comme je disais, c'est un pays jeune, c'est un pays qui change, et du coup, les lois changent. Donc, ce que tu dis, c'est totalement vrai. Pour ouvrir une société au Qatar, il faut se mettre en partenariat avec un local, donc avec un Qatari concrètement. Et le Qatari sera majoritaire de l'entreprise à 51%. D'accord? Et l'étranger à 49%. Du coup, il y a plusieurs difficultés pour ouvrir une société. Il faut vivre sur place, déjà savoir quel type de société on veut ouvrir, et à partir de là, rencontrer des locaux, trouver un sponsor, trouver les financements, et à partir de là, pour pouvoir démarrer son projet. Ça n'a pas l'air facile. Ça n'a pas l'air simple. On constate souvent qu'en fait, les gens, surtout, bon, je vais parler des Européens et plus spécifiquement des Français, ceux qui ouvrent une société sont à la base des gens qui ont été employés, qui ont passé un certain nombre d'années au Qatar, et puis qui, de par leur réseau, de par leur contact, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'importance du réseau, ont D'accord. rencontré des Qataris, des locaux, ont trouvé des sponsors, des financements, et à partir de là, en parallèle de leur job, ont ouvert une société et D'accord, ont pu donc très monter leur difficile entreprise. d'ouvrir une société pas de l'étranger, mais de venir pour 3 mois, ouvrir une boîte, c'est un peu compliqué déjà, juste pour comprendre, je pense, les opportunités qu'il y a ici, c'est un peu compliqué. En fait, on va en parler, je pense, juste après. Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte au Qatar. C'est l'installation. Donc pour s'installer au Qatar, c'est vrai que c'est comme si on s'installait en plein centre de Paris. Donc il y a déjà le coût du logement. D'accord. Il faut trouver un logement. Le coût de la vie est assez cher.
C'est vrai qu'on entend souvent parler en bien du Qatar, c'est un pays où on peut gagner bien sa vie, certes, mais si on gagne bien sa vie, forcément, c'est que le coût de la vie aussi de l'autre côté est assez élevé. Donc, pour donner un ordre d'idée, on va dire le standing européen pour avoir un appartement, il faut compter à peu près du 1500 euros par mois. D'accord, donc 1500 euros par mois pour vivre au Voilà, Qatar. C'est plus cher quasiment que la plupart des régions en France, quoi. Exactement, c'est un peu le prix d'un appartement dans les beaux quartiers de Paris. Et voilà, donc pour s'installer, il faut déjà avoir du cash. C'est-à-dire, si on n'est pas employé, si on doit financer son appartement, son école pour ses enfants, je vais parler aussi de l'école, les coûts sont assez élevés. Donc, les écoles publiques, ce n'est pas trop visé par les Européens en général, c'est D'accord. plus destiné aux locaux. La plupart des gens, en fait, vont scolariser leurs enfants dans le privé. Du coup, le coût de l'école est assez élevé. On parle de 7 000 à 11 000 euros par an, Par an, par enfant. d'accord, je répète, Donc, 7 000 à voilà. 8 000 euros, c'est ça? 7 000 à 11 000 À euros 11 000 euros par an, par enfant. d'accord, Donc, ça fait un budget, ouais. si on calcule bien, on a minimum 2 500 euros avec un enfant de coût fixe. D'accord, alors c'est très important à le signaler parce que c'est vrai que beaucoup de gens ils veulent peut-être venir s'installer avec des petites économies et on a vu que le cas de créer l'entreprise ici il faut enfin directement de l'étranger c'est un peu compliqué donc la meilleure porte pour venir en tout cas au Qatar c'est de passer par un poste fixe pour déjà s'installer et travailler et justement par rapport à si on a un travail ici est-ce qu'il est vrai que on entend parler aussi, on te paye la voiture, on te paye l'appartement, on te paye plein de choses. Il y a des avantages aussi qui ça dépend, c'est quoi? C'est des contrats qui sont locaux, des contrats qui sont enfin tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça? Je vais expliquer ça. En fait, il y a deux types de profils. Il y a, là, je parle encore une fois des Européens. Donc, soit ce sont des gens qui ont travaillé pour une entreprise française et qui ont été expatriés. Donc, ce sont de purs expats. Donc, c'est un contrat d'expatrié. L'entreprise française va financer la totalité de leurs dépenses sur place. Donc, on va dire c'est le contrat sans risque. Pour avoir ce type de contrat, en général, il faut travailler en France un certain nombre d'années, faire sa place, évoluer. Et à D'accord. partir de là, via des opportunités à l'international, être transféré au Qatar. Ça, c'est le must, Ça, c'est le. Ouais. c'est le top, mais le désavantage, la plupart des expatriés ont une contrainte de temps. Ils ne peuvent pas dépasser 3, enfin 5 ans, on va dire. D'accord. En général, c'est 3 ans. Un expat reste 3 ans et il va être transféré sur une autre mission ou un autre pays. Donc, c'est ça le souci. C'est que si on veut vraiment s'installer pour des raisons religieuses, par exemple, il faut peut-être viser un contrat local. Donc les contrats locaux sont assez intéressants. Comme tu disais, on ne parle pas que de salaire. C'est vrai qu'on parle de package au Qatar. On a un basic salary, donc un salaire normal, auquel on ajoute voilà, un montant pour la maison, un montant pour l'école. En général, les entreprises paient l'école ou y contribuent. Donc, et même chose, on a une sorte d'allowance, on appelle ça des allowances aussi pour le véhicule. Donc voilà, le salaire est... C'est un package en fait, c'est un package, D'accord, ok, c'est un package c'est super total. intéressant ça. Et toi, du coup, pour ton cas, en fait, comment t'es venu? T'es venu par un contrat expat ou un contrat local? Comment ça s'est passé, toi? On reprend, il fait assez froid. Donc, tu disais, oui, je te posais la question, toi, t'es venu par un contrat en expat, en local, comment ça s'est passé? Alors moi, on m'a proposé un contrat local directement. Donc voilà, j'avais mon CDI en France. J'avais mon petit appartement, bref, j'étais dans ce qu'on appelle la safe zone, Safe zone, tout se passe tout allait bien. bien, et D'accord. on me fait une proposition pour venir ici au Qatar avec une visibilité de 6 mois. Parce que en fait, l'aéroport avait déjà ouvert et c'était pour clôturer, T'es arrivé en fin de je projet, suis quoi. T'es arrivé en fin arrivé de en fin de projet, projet. c'était pour clôturer la dernière phase du projet. D'accord. Donc moi, j'ai pas trop réfléchi, je me suis dit, bon, pays musulman, la France, ouais, je sais ce que c'est, j'ai déjà bossé en France, je me suis dit, Est-ce que pourquoi t'as pas tenter? t'as pas trop réfléchi ou t'as quand même bien réfléchi? La Voilà. vérité. C'est vrai que pour dire la Faut vérité, j'ai dire, énormément réfléchi. voilà, Et parce que puis tu j'ai. quittes un pays où il y a le confort et tout pour aller dans un pays où t'as que 6 mois de visibilité, c'est compliqué, je pense. En fait, quand je dis que j'ai pas trop réfléchi, c'est qu'au fond de Oui, moi, au je fond de le toi, tu voulais. savais, d'accord, ok. Et limite, je savais que la réponse allait être positive à la fin. Mais j'ai quand même réfléchi, j'ai posé le pour et le contre. Ouais, j'ai mal dormi. Je me suis dit, tiens, j'ai mon D'accord. CDI, j'ai ma petite voiture, j'ai mes habitudes et surtout j'ai la famille. Ah, Donc c'est ça, vrai que la famille, ouais. c'est le facteur clé de l'expatriation, quel que soit le pays, c'est la famille, se séparer de ses attaches. Donc voilà, courte visibilité, donc gros risque, Ouais. mais comme je dis toujours, la vie, il faut la risquer et parfois,
en prenant des risques, on peut Ah ouais, c'est gagner, sûr, hein, c'est ce que je partage dans la chaîne, donc on peut c'est gagner vrai que. gros. Donc, en tout cas, moi, ce que j'ai pu gagner, c'est voilà, d'avoir une vie paisible dans un pays que j'apprécie énormément, mais je parlerai du pays plus tard, D'accord, ok. Inch'Allah. D'accord, donc, ok, on a parlé du salarié, on a parlé des façons de venir au Qatar, donc salariat ou entrepreneurial. Entrepreneur, on a vu que c'était un peu compliqué. On a commencé à parler du logement, de l'installation. Voilà, comment on peut s'installer, comment on peut trouver un logement ici, est-ce qu'on peut trouver sur Internet, sur place, parce que je sais que, voilà, bon, tu vis ici depuis un certain temps, à Lamabelek, donc est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça, parce que je pense que. Après le travail, c'est la deuxième chose à laquelle on pense, c'est l'installation, c'est une maison, c'est fermer ça, voilà, être au chaud ou au frais. Et voilà, dis-nous un peu plus par rapport à ça. On reprend. Donc tu disais, Donc, ouais, toute installation ça c'est pas facile l'installation. Hein. c'est assez difficile et je pense que tu es le premier à confirmer ça. Les changements, en fait, ça peut bousculer ta vie. Du coup, comme toute installation, la priorité, c'est de trouver un logement, forcément. Donc, au Qatar, il n'y a pas d'agence physique, d'agence immobilière physique. Tout se fait par Internet, tout se fait en ligne. Donc, ce qui se passe, c'est que tu peux obtenir le numéro de certains. C'est comme des brokers, en fait, c'est des agents immobiliers indépendants que tu vas contacter, tu vas leur donner tes critères et ils vont te trouver un appartement dans ton budget, dans le quartier que tu souhaites. Ou sinon, il y a des annonces en ligne. Donc il y a une sorte de Le Bon Coin, on appelle ça Qatar Living. C'est un Le Bon Coin où il y a toutes les annonces, il y a aussi Property Finder, c'est pareil, c'est un site immobilier. Donc une fois que tu connais ton budget, à partir de là, tu fais tes recherches, tu fais tes visites, tout se fait vite au Qatar. Que ce soit pour trouver un job, voilà. Si ton CV, C'est pas dans le si ton paperasse comme CV, en voilà, France ou si ton CV plaît, ouais, t'es Londres. appelé au bout de D'accord. quelques jours, tu passes l'entretien, t'es pris, tu signes le contrat. Pas trop d'attente en général. Pareil pour l'appartement, tu peux prendre un appartement le jour même. Tout peut aller très vite. Ah ouais, le jour même, carrément. Par contre, pour avoir un appartement, voilà, faut ouvrir un compte en banque. C'est D'accord. assez simple. Pour ouvrir un compte, encore une fois, il faut la résidence. D'accord. Donc ça, c'est la base. Et il faut faire des chèques. Donc en D'accord. fait, c'est des chèques datés sur toute l'année en fait. Donc c'est un peu le côté ils veulent sécuriser en fait l'année. Donc Walaikum salam, tabarak. tu donnes une avance d'un mois et à partir de là tous les mois ils vont encaisser tes chèques. Donc D'accord. c'est vrai que ça donne une pression parce que c'est un contrat annuel et tu peux D'accord. pas partir du jour au lendemain. Mais voilà. C'est un peu D'accord. la contrainte. Donc, tu arrives, soit tu fais appel à des agents indépendants, soit Voilà. tu passes par Par Internet, des annonces, ouais. tu peux trouver rapidement un appartement, tu bloques 12 mois de chèques, enfin 12 chèques, bloqués toute l'année. Et les prix, une fourchette de prix. Combien ça coûte à peu près? J'ai envie de dire que quand je suis arrivé au Qatar, les prix étaient très très élevés. Il y avait une voilà, c'était il y avait peu d'appartements disponibles et le standing européen était assez cher. D'accord. À l'époque, on parlait du minimum 2000 euros pour avoir quelque chose, un appartement. C'est vrai que ça peut paraître démentiel, 2000 euros. Encore une fois, la plupart des entreprises aident, contribuent en fait à ça. Mais c'était excessivement cher. Ça a changé maintenant avec tous les Ça a appartements changé, il y a eu une qui petite ont crise construit, immobilière. ouais. Il y a eu pas mal d'événements qui se sont passés au Qatar. Il y a beaucoup Ouais. d'expatriés qui sont partis. Ils ont été remplacés par d'autres main-d'œuvre, par des expats venus d'Asie et d'ailleurs. Du coup, tout simplement, bah, l'offre et la demande, les prix D'accord, ont une tendance vers le bas. Donc là, on est retombé vers du 1300, 1400 euros. On peut trouver un appartement à 1000 euros. Après, voilà, le standing européen, c'est à peu près du 1500 euros par mois. Ce qui reste cher. Oui, comparé, bon, c'est un peu le même ordre de prix que Dubaï. on va revenir au travail, on va parler un peu du travail. Par exemple, si un homme il vient travailler, une femme vient travailler, qu'est-ce qu'un homme pourrait faire? On avait parlé un peu de qu'est-ce qu'il pouvait faire. Mais par exemple, une femme, on parlait des femmes, par exemple. Est-ce qu'elles peuvent venir travailler ici? Est-ce que quel type de quel type de travail et pour quel type de poste elle pourrait faire ici, par exemple? Ok. Alors, le Qatar, je sais pas ce qui se dit à l'étranger, mais en tout cas, le Qatar, c'est un pays très ouvert. D'accord. Donc, c'est un pays ouvert dans le bon sens. Je veux dire par là que c'est un pays musulman. Ça, c'était l'un de mes critères. On entend l'Éden. On peut voir des femmes avec le niqab. On peut voir des femmes habillées à la mode européenne. Des hommes avec l'ihya, d'autres sans. Il y a un total respect de l'autre, que ce soit
le respect des autres religions, le respect de l'apparence. Ouais, c'est vrai c'est ça. Très ouvert. Donc une femme a toutes ses chances en fait au Qatar. Elle peut prendre un haut poste, j'ai envie de dire avec ou sans hijab. Et pareil pour un homme. Voilà, ici l'habit ne fait pas le moine, la barbe ne fait pas le musulman. Donc ici c'est un peu la mentalité anglo-saxonne. On est pris pour ses compétences. D'accord. Et c'est ce que je pense que la plupart des musulmans de France recherchent aujourd'hui. Du coup, une femme, le petit inconvénient, c'est qu'en général, quand un couple vient s'installer, la femme sera sous le sponsor de son mari. D'accord. Donc, et à partir de là, elle peut accéder à des postes, surtout si la personne est francophone, il y a des écoles francophones, elle peut trouver un travail dans une école. Sinon, si elle a cette faculté de parler anglais, parce que l'anglais, c'est une langue qui est plus que parlée au Qatar. D'accord. Pour comparer avec l'Arabie, où l'Arabie, majoritairement, on parle arabe, ici, on parle C'est plus majoritairement l'anglais, ouais. anglais. D'accord. Donc, critère pour s'installer au Qatar, Anglais. l'anglais. C'est limite éliminatoire. Avant l'arabe Si on ne même. parle pas anglais au Qatar, Ouais. c'est très très difficile, Et bah, tu voire le vois tous les jours, impossible. tu prends un café, tu parles Voilà, anglais, c'est c'est. ce qu'on a fait tout à l'heure pour Ouais. prendre un café, on a dû échanger en anglais. Donc voilà, ça c'est l'un des critères les plus importants pour s'installer, la langue. Et à partir de là, toutes les portes sont ouvertes, il y a aucun frein. Concrètement, il n'y a aucun frein. D'accord. Moi, ma femme travaille ici au Qatar. Elle a trouvé un job Machallah. assez rapidement, alhamdoulilah. Donc, non, pas de frein majeur. Pas de frein majeur. D'accord, j'ai oublié un point. On a parlé un peu de l'installation, mais on n'a pas parlé des visas. Est-ce que tu peux nous parler des visas? Parce que maintenant, ça a changé avec les visas, ceux qui viennent de France. Donc là, on parle de France un peu tout. Mais déjà, les visas, je pense que ça change beaucoup pour ceux et celles qui veulent s'installer ici. Tu peux nous Exactement. en parler un peu plus sur. Exactement. Comme je disais, le Qatar, c'est un pays qui change énormément. Les lois changent. On avait parlé un petit peu de l'entrepreneuriat. On doit se mettre en partenariat avec un Qatari à Pour la 51-49, création d'une mais société, c'est ouais. en train de changer C'est en train de changer, ouais. dans quelques mois, on va dire, voilà, dans un horizon d'un an. D'accord. Euh, Donc là, un, un on est en expatrié, mars voilà, 2019, on sait un, jamais. un expatrié pourra venir au Qatar et être 100% propriétaire de son entreprise. Donc pas besoin de sponsor. Il paiera des taxes, forcément, Oui. c'est la contrepartie. Il devra payer des taxes. Mais il aura sa totale liberté, même si avoir un sponsor Qatari, ce n'est pas une contrainte plus que ça. On le verra plus tard si Si on ouais, on bon. développe un peu ce point-là. Inch'Allah, ok. Et ce que je disais, c'est que les visas changent énormément. Donc l'avantage, un des gros avantages, c'est qu'aujourd'hui, on peut venir en touriste visa pour une période de 3 à 6 mois. Donc Ça, c'est 3 pour le mois passeport renouvelable, français. Passeport passeport français, français. Là, d'accord. on reste sur le passeport D'accord, ok. européen. Donc, juste explique, 3 mois en visa de touriste. base, c'est 30 jours pour tout le monde, c'est ça? Non, non, pour le français, c'est 3 Non, mois. c'est-à-dire 30 jours pour tout le monde et visa français, c'est pour. Voilà, D'accord, la ok. plupart des pays, c'est 30 jours. D'accord. Pour les Français, c'est 3 mois. Et ils peuvent renouveler ça, en fait, une fois, jusqu'à 6 mois, 180 jours maximum. C'est pas mal quand même. C'est C'est 180 excellent. jours, tu C'est peux excellent. venir t'installer. Et un autre point positif, pour les permis, parce qu'on n'a pas parlé Ouais, les permis, ouais. pour. Voilà. Permis de conduire? Bon, soit on achète une voiture, bon, ça, c'est partout, via des annonces, il y a des sites spécialisés pour ça, mais on a juste à convertir son permis, on n'a pas besoin de repasser son permis Dans certains pays, ouais. comme d'autres Ah, d'accord, nationalités ok. qui sont contraintes de repasser le permis de conduire. D'accord, Donc ok. ça peut être un gros frein pour s'installer, repasser le permis, C'est le vrai, ouais. code, Surtout que là, la voiture aussi, c'est un moyen de se dépasser, enfin, qui est important. plus qu'important. Ouais. Là, tu touches un point particulier. C'est vrai que c'est un pays en développement, en construction. Le réseau de transport est très très limité. Il y a des bus, mais c'est pas top. Il fait chaud. Ouais. Il fait chaud. On est dans le désert. Donc, voilà, 9 mois sur 12, il fait très bon. Il fait bon vivre. Mais c'est vrai que pendant 3 mois dans l'année où il fait assez chaud, donc les gens ont tendance à se déplacer, j'ai envie de dire, 99% du temps en voiture. Et du coup, voilà, on peut louer facilement une voiture au Qatar. Ça, c'est pas un problème via des agences de location. C'est pas un problème majeur. Et on a juste à convertir son permis. Donc D'accord, ça bah, c'est c'est pas peur. intéressant. Donc Et on peut rester visa, jusqu'à 6 mois, quoi. Ça c'est c'est ça, excellent. ouais, c'est ça que C'est j'allais dire. excellent. J'allais dire, en fait, visa normal pour tous les autres, nationalités, on va dire, de base, c'était 30 jours. Et pour la France, il y a un nouvel accord. Tu peux le faire jusqu'à 3 mois et le renouveler jusqu'à 6 mois. Donc en gros, tu peux rester jusqu'à 180 jours au Qatar. C'est énorme, c'est Ouais, énorme. c'est super Et intéressant. Hein. voilà, pour quelqu'un qui voilà, c'est-à-dire si la personne souhaite, je sais pas, ouvrir une entreprise ou trouver un job. Voilà, elle peut réduire ses frais, trouver un petit appartement. Ouais. Oui, donc ouais, pour s'installer concrètement, une personne peut facilement rester 6 mois, monter son projet et puis après faire un regroupement familial, ramener sa famille une fois que tout va bien.
Mais c'est vrai que pour les familles qui ont des enfants, voilà, l'entrepreneuriat, c'est un peu plus compliqué parce que le coût de la scolarité est assez Ah élevé. oui, surtout qu'il y a, Donc. il y a, je pense qu'il y a trop de risques. Après, on va parler de la scolarité avec les frais de scolarité, le nouveau café de Mohamed qui arrive. Je pense que c'est trop Bien risqué sûr. pour venir. Il y a trop d'éléments risqués. Déjà que l'entrepreneuriat de manière générale, c'est risqué. Mais si on vient dans une zone aussi de risque, c'est pas la meilleure façon de Voilà, venir. exactement. Ou sinon, peut-être Je pense. même, c'est de sécuriser ses finances avant de venir. C'est-à-dire, si tu tournes déjà assez bien. Comme exemple, moi sur la chaîne, je parle beaucoup de business en ligne. Donc, si tu as déjà un business en ligne qui tourne déjà bien, venir ici, je pense pas que ça impactera. Parce qu'à la base d'un business en ligne, c'est justement de bien gagner, enfin de gagner sa vie, mais et bien gagner sa vie même, peu importe où est-ce que tu veux vivre. Mais venir ici entreprendre d'un coup, je pense que c'est un peu compliqué. Ouais. Ça peut être un risque, Ouais. clairement. Clairement, ça peut être un risque. Je pense que le mieux, c'est de s'installer en tant que salarié, histoire de connaître le pays, connaître les Ouais, c'est besoins. important ça, c'est Parce que important. c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut définir son projet. Quel type de société je vais ouvrir? Est-ce que c'est un business en ligne? Est-ce que c'est un business physique? Donc voilà, comprendre le pays, comprendre les besoins, comprendre les mentalités, comprendre les coutumes. C'est simple de s'installer au Qatar, je veux dire, c'est un pays très accueillant. Sincèrement, c'est très accueillant, on s'y sent bien. Ça, c'est des critères qui font du Qatar un pays peut-être Ouais, un peu plus. on va parler un peu plus tard Ça des va. avantages. Donc on va laisser un peu les avantages, parce que là ça fait quelques jours que je suis là, ici, je suis venu, j'ai bien observé, etc. Je ferai à la fin du reportage, je ferai ma petite conclusion, mais je te poserai quand même la question. Et on parlait juste avant de la scolarité des enfants. Qu'en est-il de la scolarité? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a plusieurs... Comme en France, il y a plusieurs... Bon, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Je vais t'expliquer ça. Concrètement, pour les Français, on va dire il y a deux écoles, au sens figuré. Soit on veut mettre ses enfants dans un système anglo-saxon, du coup là il y a une multitude d'écoles anglaises, soit on met ses enfants dans une école française. Il y a deux écoles françaises, donc il y a une école qui est 100% française, c'est l'école Bonaparte, et il y a une autre école. C'est assez atypique, c'est une école franco-qatari. Donc il y a les deux cultures, culture arabe et française, c'est assez intéressant. Donc la plupart des Français vont dans ces deux écoles. Mais on peut choisir de mettre ses enfants dans un système anglais. Tout dépend encore une fois du projet, de l'avenir qu'on veut pour ses enfants, D'accord. de la visibilité qu'on a. Voilà. Tout dépend de ses propres choix, T'as j'ai envie deux de dire. options, Voilà. anglophone Mais ou le coût de, francophone. encore une fois, le coût de l'école, de la scolarité est assez élevé. Ce que je disais, c'est entre 7 000 à 10, 11 000 euros par an, par enfant. C'est souvent pris en charge par les entreprises, ou en tout cas une grosse partie. Du coup, c'est un élément à prendre en compte clairement. Oui. De toute façon, pour une installation au Qatar, il faut prévoir un minimum d'épargne. C'est pas un pays où voilà, on vient avec sa valise. Justement, on va enchaîner avec la précarité. Tu m'as pas, tu, enfin, tu voulais en parler de la précarité. On parle beaucoup du côté tout se passe bien, t'arrives avec un Instable, job, ouais, c'est etc., ça. Ouais. etc. Mais une fois que tu perds Alors, ton job, comment ça se passe? c'est sûr que si on est contacté par une entreprise, on signe son contrat, tout va bien, D'accord. on a de l'argent qui tombe tous les mois, on trouve son logement, on loue sa voiture, on scolarise ses enfants, Là, ça, on alhamdoulilah. vit, on Ouais. survit ou on vit bien. Ça c'est le meilleur plan. Je n'ai pas parlé du cas de l'entrepreneuriat, Ouais, c'est autre chose. c'est assez différent, mais c'est assez précaire dans le sens où voilà, la notion de CDI, bah, j'étais en CDI en France. J'ai perdu CDI, c'est un choix. Parce que pour moi, il y a deux visions. Soit on augmente son employabilité, et là je me dis que voilà, on tente une expérience à l'étranger. Là, c'est un pays musulman, donc pour une communauté musulmane, c'est parfait. Et du coup, le CV prend de la valeur, et du coup, on peut trouver plus facilement un job grâce à ça. Du coup, on augmente son employabilité. Soit on reste dans la mentalité un peu française, je veux la sécurité, je veux pas prendre de risques, je veux mon CDI. Et là, c'est clair qu'il ne faut pas miser sur le Qatar et je pense qu'il ne faut pas miser sur la plupart des pays à l'étranger. Parce que dans la plupart des pays, voilà, on peut être démobilisé, viré en un mois. Ça va très vite. Tout peut Ouais, c'est basculer pas en un pareil mois. que la France, Donc c'est ça, vrai. c'est un élément à prendre en compte. Il n'y a pas de système de CDI où on est protégé. Donc c'est quelque chose où il faut vraiment réfléchir. On peut se retrouver dans des situations assez précaires si on se retrouve sans emploi. Voilà.
coût de la vie assez élevé, logement Ça, il faut, élevé. ouais, d'accord. Ça, Si on perd son je pense que emploi, tu on l'as peut se bien fait retrouver dans une comprendre. situation Ça, c'est important assez parce que ambiguë. c'est important à savoir parce que moi, c'est vrai que peut-être qu'on connaît les mêmes personnes qui ont voulu se tester, venir dans ce genre de pays et qui sont un peu grillés les ailes et en même temps griller aussi les économies parce que ça va très 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 vite et je pense justement je pense ce reportage-là ce reportage plus cette interview-là il est très intéressant pour faire un feedback d'une personne qui s'est installée et de bien faire comprendre que la vie ici elle est assez chère que faut pas venir avec un peu d'économie il faut avoir déjà un projet qui est déjà bien clair. Et voilà, ça va très vite. On a vu déjà les loyers, ça va minimum 1000 euros. Les écoles pour les enfants, c'est voilà, c'est très cher aussi. Donc voilà, faut, je pense que ça, c'est un point très important. On va parler un peu de la consommation. On a parlé du logement, d'installation. Donc maintenant, on commence à bien être installé dans notre imaginaire. Et on va parler un peu de la consommation. Enfin, comment ça La se vie de passe tous ici? les Les jours, oui. courses, le gasoil, enfin, l'essence, la nourriture, comment ça se passe? Ok. Donc, Le budget même pour une famille. le Qatar, c'est assez connu. Voilà, c'est un pays qui fait partie de l'OPEP, donc c'est un pays gazier. Donc, forcément, les prix, du pétrole à la station sont très très bas. D'accord, Voilà, ça c'est un bon point on est positif. sur du 40-50 centimes d'euros. Ah, c'est pas énorme. Je veux dire, limite, quand on fait le plein, t'es ici depuis quelques jours, je pense que t'as dû faire ton plein, t'as le sourire à la fin, tu dis, bon, Ouais, je j'ai l'ai fait fait un en plein même à pas 10 une semaine. euros, Ouais, et carrément, voilà, carrément. c'était carrément ça. Donc un plein à 10 euros, voilà, ça donne le sourire, contrairement en France. Donc ça, c'est vrai qu'en termes de consommation, j'ai même pas envie de le compter. Il y a eu pas mal d'événements au Qatar, il y a eu ce qu'on appelle un blockade, donc il y a eu une rupture des relations avec l'Arabie Saoudite, Bahreïn et les Émirats. Ça a impacté énormément la consommation. Ce qui s'est passé, c'est que les prix des aliments ont augmenté. Parce qu'on a dû se tourner vers Donc d'autres pays. concrètement, en fait, le Qatar importait quasiment tout de L'Arabie l'Arabie Saoudite, Saoudite. clairement, et des Émirats. D'accord. Et des Émirats. Et du coup, avec ce qui s'appelle l'embargo, c'est ça, c'est un C'est ça, embargo. un Et bah embargo. toutes les frontières sont coupées. C'est Et ça. donc ce qui fait que bah les prix. Le Qatar a dû s'approvisionner en Voilà, Turquie, ok. en A Iran, dû en changer un peu Europe, son au système de Maghreb. logistique. Exactement. Du coup, forcément, on s'approvisionne plus loin. Tu sais très bien comment ça Ça coûte plus fonctionne, cher. ça coûte plus cher et ça a impacté, on le ressent sur le prix. Et du coup, oui, c'est vrai qu'il y a une grosse augmentation, je pense quasiment 20%. 20%, ok. Mais on reste, il y a Carrefour ici, hein, il y a des enseignes Ouais, il y a françaises, il y a Monoprix, il y a Monoprix. plein. Donc on reste sur des prix, voilà, c'est un peu comme en France, un petit peu plus cher, mais c'est pas non plus le double. C'est pas, voilà. T'habites pas en Guadeloupe où tu payes deux fois Voilà, ton prix du lait ou un truc c'est comme pas ça, quoi. 6 euros le kilo de banane. Non, on est à D'accord, peu ok. près sur le même ordre de prix qu'en France. Et puis aussi, il faut savoir changer son alimentation. Faut consommer du riz qui vient d'Inde, d'autres pays. Il faut Ah bah oui, savoir. faut Faut pas s'adapter un forcément se peu, dire, tiens, hein. je veux mon yaourt français, Ouais. je veux ma confiture Ouais, au beurre ouais, salé. ouais. Ouais, pareil, Déjà, en Tunisie, donc c'est tout dépend de pareil, sa ouais. consommation, je pense. Ouais. Ouais, ça se Et voit. pour un, par exemple, on va prendre un cas, on va dire moyen, ou je peux même pas, je dirais moyen, mais une famille de 4 personnes, des parents et deux enfants, en termes de consommation par mois, combien à peu près? C'est vrai que c'est très vague, ça peut pas être très précis parce que tout dépend de comment tu consommes, Tout dépend, mais à peu oui. près, hein, environ à peu À près peu pour donner un près, peu faut compter aux pour une gens. famille de 4, il faudrait compter entre 3 000 à 4 000 riyals par mois, je dirais entre 800 et 1 000 euros pour une consommation normale, D'accord, pas excessive. d'accord, Voilà, pour une consommation d'une d'accord. famille. Je pense qu'on est sur à peu près le même ordre de prix en France. Oui, c'est ça, Euh, ouais, c'est c'est ça, c'est ça à peu, dépend. c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. On est sur, voilà, entre, voilà, 700 à 1 000 euros, ouais, je pense, ouais. D'accord, 700 à 1 000 euros. d'accord. Sans les extras, je veux dire, après, sans parler Oui, des sans les sortir, vêtements. etc., etc. C'est vraiment pour Et la du coup, par rapport consommation. au riyal, le taux, il a combien? Un Il y a euro, à ça peu fait près, ouais, combien? on est à peu près sur du 4, 4,5. Voilà, entre 4 et 4,5, ça fluctue assez souvent. D'accord. Je vais parler d'un point important avant de passer à l'autre point, c'est le médical. En France, on a l'habitude de la sécurité sociale, on va chez le médecin, tac, carte vitale, tout se passe bien. On n'a pas peur de ce côté-là. Et en fait, je pense que c'est un point très important parce que quand on quitte la France, c'est vrai que bon, faut pas se mentir, la sécurité sociale, elle, c'est important, ça repose, enfin ça permet de supporter beaucoup de charges qu'on pourrait pas supporter si on était seul. Et le fait de quitter la France, et eh ben je pense que la sécurité sociale, et eh ben ça peut, enfin Ah, c'est vrai que ça bloque, c'est un point ça bloque, important. c'est un point C'est un important. point important. Parce que en France,
On est, voilà, c'est l'État-providence, l'État Voilà, prend en charge protecteur, tout, les, tout, tout, voilà, tout, l'école. tout. L'école, c'est quasiment Ouais, gratuit. ouais. Le médical, on est quasiment remboursé à 90%. 90%, ouais. C'est vrai que de ce côté-là, il n'y a pas ce côté précaire avec les CDI, quoique c'est en train de changer en ce moment. C'est vrai que voilà, en France, on est encore dans la safe zone, c'est ce que je disais, on est Exactement, dans ouais. le côté Et ouais, et sécurisé. surtout que la France, elle est connue pour son médical, c'est-à-dire tout est payé. Et au Qatar, par exemple, à Qatar, je me blesse. Comment ça se passe? Alors voilà, on part du principe où la personne s'est Voilà, installée elle est installée, et ouais. elle a son résidence permis, enfin sa carte de résidence. À partir de là, ça va peut-être un peu, ça va t'étonner. Pour 100 riyals, donc à peu près pour 25 euros par an, cette personne et sa famille, donc il fait une carte pour sa famille, donc ça, s'ils sont 4, ça va faire 100 euros, a accès en fait aux soins dans les hôpitaux et dans, j'appelle ça les centres de santé de tout Doha, de tout le Qatar, pour seulement 100 euros par an pour une famille de 4 personnes. Donc en Donc fait, ça, tu c'est assez payes 100 intéressant. Dans le euros public, dans le dans le public. public, Donc d'accord. le public, faut pas s'imaginer que c'est. Ouais, bon. C'est tout aussi bien, les équipements Oui, voilà, c'est sont ce que j'allais poussés. dire. Voilà, on connaît le Qatar, c'est un pays qui est très Ah développé, on peut oui, c'est comparer à pas. Dubaï. Donc voilà. Après, la qualité des soins, je vais pas la comparer à la France. La France, ça reste. Voilà, on est dans une qualité de soins Oui, vraiment c'est vrai, ouais. à un niveau très très élevé. Mais voilà, on a accès aux soins. Donc on a accès en illimité, tout payé pour 20 euros par an, Ouais, par 25 personne. euros, 25 euros. 25 Je te euros, dis on va le chiffre grossir. précis, c'est 25 D'accord, euros. 25 euros. C'est assez étonnant, mais pourtant c'est vrai. On se dit souvent qu'en dehors de la France, si on Oui, c'est tombe ça? malade, on doit payer 1000 euros juste pour soigner une grippe. C'est ça? Bah c'est pas le cas, au Donc Qatar. C'est pas le cas au je vais le Qatar. redire pour que les gens y comprennent bien. Au Qatar, quand on est résident, qu'on a la e-résidence, c'est ça? Enfin, qu'on a le ID, Voilà. la résidence au Qatar, eh ben, vous pouvez être soigné de dentiste, généraliste, etc., etc. pour 20 euros. C'est la sécurité sociale d'ici, Dans quoi. le Tu public, c'est ça. 25 euros dans le public, et puisque le pays existe depuis quelques années, c'est pas des hôpitaux qui datent ou qui sont remplis de poussière. Non, c'est des infrastructures qui sont Très moderne, très et modernes, récente, très récentes. Donc ça, c'est fond, c'est un point très important à Non, c'est souligner. clair, c'est important. Bah, ma femme a accouché dans une de ces cliniques, donc c'est pour dire que la qualité de. Clinique ou C'était dans une hôpital? clinique, D'accord. mais une fois qu'on a la résidence et on va dire qu'on a employé, on D'accord. a une sorte de carte de mutuelle, une carte d'assurance. D'accord. Et à partir de là, on a accès aussi à tout ce qui est clinique privée. D'accord. Et on voilà, il faut payer un petit peu, mais ça reste dérisoire comparé. Non, mais je pense que le médical, Voilà. c'est un point important. Et donc, tu me disais après, donc le niveau, c'est pas comme la France, c'est sûr, mais ça reste largement raisonnable C'est et ça acceptable. pourrait, ouais, C'est c'est acceptable. acceptable, ouais. C'est acceptable. C'est vrai que bon, après, s'il s'agit d'une grosse opération, bah, je vais toujours conseiller la personne d'aller dans son Oui, pays d'origine c'est vrai. si elle se sent mieux. Mais je connais énormément de frères qui ont dû se soigner ici et ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Après, qu'Allah nous préserve Amine, de amine. tous les Ouais, mais maux. c'est Hein. vrai que c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Ok, Barclofic. Et je voulais te parler aussi des loisirs, par exemple. Là, par exemple, on est dans un parc qui s'appelle le Mia Park. Et c'est très magnifique, c'est très beau, c'est propre, il n'y a pas un papier par terre. Les enfants, ils font du roller. Tu m'avais parlé d'un parc avec des coins barbecue. Parle-nous un peu des loisirs. Qu'est-ce qu'on peut faire en famille? Qu'est-ce que peuvent faire les femmes, que seules, par exemple? Ok, Que peuvent faire les enfants? Ça, c'est important, ça. je vais te dire ça. Alors, comme je disais, le Qatar, et ça, c'est un des gros critères. Il y a énormément d'infrastructures, c'est un pays récent, donc j'ai envie de dire, c'est pas tout est neuf, tout est beau, tout est non, mais quand même, c'est un pays qui essaye de faire de son mieux et qui fait les choses assez bien, je trouve. Donc le pays a fait énormément d'infrastructures pour ses habitants. Il faut pas oublier qu'il y a 85% d'expatriés au Qatar, donc quasiment tout Ah, le monde est étranger. c'est énorme, hein. Donc on ne se sent pas étranger quand tout le monde est étranger. Donc ça, c'est un point important. C'est un pays qui mise énormément sur l'éducation, sur la sécurité. Tu pourrais laisser ton ordinateur Ça, franchement, et je le partir précise, une hein. heure et revenir et le retrouver. Ça, c'est ouf. Donc ça, Ça, c'est c'est fou. vraiment l'un des points que je pense qui a dû te marquer. Ouais, Donc carrément, ouais. la propreté, on peut voir juste derrière, les gens font attention, Ah, ils aiment ce pays, ils s'y sentent bien ouais. Ouais. et ça se ressent. Ça se ressent. Et Donc les gens loisirs, font qu'est-ce qu'on peut attention. faire en famille? Voilà, Qu'est-ce qu'on peut j'ai envie de faire? dire que c'est. Bon, à part le ski, hein, on est dans le Ouais. désert, il y a quasiment tous les loisirs qu'on peut retrouver en France. C'est-à-dire pour tout ce qui est promenade, on a des parcs, on a pas mal d'infrastructures, on a des piscines. Donc ce qui est bien, c'est que pour les femmes, il y a des piscines et des horaires aménagés pour les femmes. Il y a énormément de parcs, il y a énormément de jeux, Oui, non, mais énormément de jeux. c'est Il y a impressionnant. de tout. Il y a vraiment
tout ce qu'on peut retrouver Là, en France. on est dans un parc, par exemple. C'est un grand parc, c'est très propre. On peut faire, il y a des parcs aussi qui sont spécialisés, enfin spécialisés, non, il y a des espaces pour barbecue, donc il faut juste C'est ramener ça, son c'est ça. matériel. Il y a des poubelles, enfin tout est bien organisé pour Tout est aménagé tout pour aménager, pique-niquer, quoi. On pour peut se faire du sentir à quad dans le l'aise. désert, on Voilà, il y a le peut. désert, parce que l'avantage, voilà, il y a le désert, et en plus, c'est un désert qui est en face de la mer. Ouais, ça c'est, ouais, Donc, c'est ça magnifique fait ça. plutôt pas mal. Donc, sortie dans le désert, sortie à la mer, parce que c'est aussi l'avantage. On peut aller à la mer, on peut se baigner quasiment plus de la moitié de l'année. Donc, ça c'est vraiment pas mal. On va parler un peu par rapport à ça parce que hier on parlait ensemble et il me disait ah oui mais moi t'as vu je dis mais en été il doit faire chaud quand même ici. Tu me disais il faisait super chaud, il me dit ouais mais c'est pas grave parce que tout le reste de l'année il fait bon. Et moi j'avais pas fait ce lien. Tu sais je te disais dans ma tête je me disais hiver il sort pas de chez lui, été il sort pas de chez lui, du coup il sort jamais de chez lui. Mais en fait non, le climat ici, enfin toi qui es ici depuis un certain moment, est-ce que tu t'es adapté parce qu'on est dans un désert, c'est assez aride. Oui. Bah, en fait, moi, Est-ce que ça dérange, ça dérange pas? alors, je me Ça suis pourrait être un adapté. point très important pour les personnes qui veulent s'installer ici. Je me suis adapté, ça c'est clair. Comme je te l'ai dit, je suis arrivé en août 2014, donc je suis venu en plein été. Alors, les températures, pour te les dire, c'est de 42 à 47 degrés Ah l'été, ouais, donc quand c'est même, énorme. Et ce qui est dérangeant, en fait, c'est l'humidité. Après, j'ai envie de dire, 9 mois sur 12, il fait bon. Bon, là, on a mis une petite veste parce qu'il y a une petite brise. ouais, Mais mais sinon la sinon, journée, toute c'est. l'année, il fait entre 18 à 30 degrés. Donc, ce sont des températures, on va dire, idylliques toute l'année. Donc, on peut profiter 9 mois sur 12. De juin à septembre, c'est un peu plus difficile. Après, c'est la période où souvent on retourne dans son pays d'origine, où on part en vacances. C'est vrai que c'est une période qui est assez difficile parce qu'on est dans le désert. Mais encore une fois, le pays fait bien les choses. Toutes les infrastructures sont aménagées, les centres commerciaux sont climatisés, donc on ne ressent pas forcément cette chaleur. Donc ça c'est l'avantage. Mais voilà, on peut pas avoir, il n'y a pas de pays parfait, mais je pense que pour un pays en plein désert, on s'y sent quand même bien. Ouais. Oui, c'est ça, en fait, j'ai médité dessus, je me suis dit, en fait, mais t'as carrément raison, tu vois, t'as carrément raison. 9 mois sur 12 dans l'année, ça va, c'est raisonnable, quoi. C'est Il fait raisonnable. bon, Bah, tu peux j'ai envie de sortir. dire, en France, pendant au moins 4 mois, il fait Ouais, excessivement plus. froid, Ouais, voire plus. plus, tu vois. Toi-même, tu sais. Et voilà, donc on ne sort pas forcément, on n'est pas là dehors sous la neige. Non, en général, on reste à la maison. Ah, c'est bien, c'est Bon, là, bien. au Qatar, on peut toujours sortir, il y a des infrastructures qui sont climatisées. Donc voilà, on va dire que ça compense, ça compense. Ouais. Ok, on va parler un peu de religion. On va parler. Je vais te poser la question. Tu m'avais dit que ça a changé depuis l'embargo. Est-ce qu'il y a des cours des savants ici? Est-ce que les savants viennent au Qatar? Comment ça se passe par rapport à ça? Par rapport aussi à l'apprentissage? Est-ce que quelqu'un veut venir étudier? Est-ce Alors, que, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des infrastructures par rapport à ça? ok. Donc je vais pour l'apprentissage. Alors il y a une structure qui est à destination des expatriés non arabophones. D'accord. Donc ça s'appelle Alfanar. Je sais pas si on peut le voir. Non, on peut pas le voir d'ici. Mais en fait, c'est un institut en fait qui fournit en fait des cours d'arabe pour des non arabophones du level 0, ça veut dire je sais pas lire, je sais pas écrire, jusqu'au level 5 où il y a des petites conversations qui se D'accord, font. ok. Donc il y a possibilité d'apprendre l'arabe. Après, pour un apprentissage poussé, il y a possibilité également. Il y a des structures, il y a des instituts, des madrassas, il y a des mosquées qui fournissent ce genre de services. Mais il faut déjà avoir un minimum de bagages en arabe. Mais il y a possibilité d'apprendre l'arabe, oui. Je pense qu'il y a plus de choses pour les arabophones Clairement, ou pour les clairement, ouais. arabes que pour les personnes qui Clairement. se. Après, quelqu'un qui vient spécifiquement pour étudier au Qatar, bon, c'est pas le meilleur D'accord, ouais. pays. Vaut mieux aller en Égypte ou en Arabie Saoudite pour apprendre l'arabe, pour faire un Un apprentissage cursus religieux, vraiment quoi. approfondi. Ouais, c'est vrai. Mais le Qatar, il y a possibilité d'avoir un minimum de bagages, il y a possibilité d'utiliser la langue, parce que c'est important. On apprend une langue, mais on peut l'utiliser, on peut parler arabe. Il y a une majorité de Libanais, d'Égyptiens, de Qataris. Donc, Ah ouais. tu as quand même une population arabophone ici, donc il y a possibilité de parler arabe avec pas mal de monde, donc ça c'est pas mal, la théorie et la pratique. D'accord. Après, pour l'intervention des savants, c'est vrai que c'est un peu plus, on va dire, contraignant depuis l'embargo. Il y a moins d'intervenants venant d'Arabie Saoudite et des pays, on va dire, limitrophes. Mais il y a une science quand même, il y a une science qui est assez poussée. C'est un pays, Ouais, c'est un c'est pari un pays, arabe voilà, c'est un qui baigne pays dans qui suit l'islam, la oui. sunna.
Donc, par rapport à ça, il n'y a rien à dire. Il y a Ouais, des mesjids partout. machallah, ouais. La pratique est très facilitée. Ouais. Donc, là, il y a, voilà, tu vas dans le centre commercial, tu entends l'Eden, Ouais. il y a des moussallas un peu partout. Donc, la pratique est très facilitée. L'islam est vraiment ancré dans Voilà, la on société. est dans un pays qui suit la sunna. Ouais. On est dans le. Voilà, on est au même niveau que l'Arabie en termes de De principes conformité, religieux. Ouais, ouais, de principes carrément, religieux et de ouais. conformité. Voilà. Il y a quand même cette ouverture d'esprit Ouais. Ouais. T'es différent, différent t'as de l'Arabie l'Arabie, Saoudite, ouais. mais la personne, si elle se focalise pas sur les autres et Oui, largement, oui, tu sur son peux. propre objectif, elle peut vivre pleinement sa religion. Bah du coup là, comme ça, là, c'était même pas prévu dans les questions. Quelle est la différence avec Dubaï? Quelqu'un qui dit ouais aujourd'hui je vais m'installer à Dubaï ou je vais m'installer au Qatar. C'est voilà, une petite question un peu en aparté, mais je pense à ça, parce que le sujet qu'on vient de parler juste avant, c'est peut-être ça résonnait dans le sens où dans un pays musulman, que le Dubaï aussi c'est un pays musulman, mais voilà, c'est un peu trop. Voilà, tu as Bah, compris ce que je veux dire. je vais comparer. Après, ça fait un petit moment que j'y suis pas allé, mais comment dire? Bon, pour tout ce qui est installation, j'ai envie de dire que c'est à peu près les mêmes contraintes entre D'accord. Dubaï et le Qatar. La différence avec Dubaï et les Émirats, c'est qu'il y a certains Émirats où on va dire le coût du logement est un peu moindre. Mais au niveau de la religion, je pense que la pratique, en fait, l'ambiance religieuse est quand même un peu plus poussée au Qatar. C'est une ambiance un peu plus familiale. Ouais. C'est vrai que Dubaï, c'est souvent, voilà, la connotation, c'est un peu la fête, c'est un peu C'est vrai, festif. ouais. C'est vrai que Dubaï, c'est un pays, machallah, c'est un pays musulman. Donc je conseille aux gens, je sais pas, qui veulent faire leur hijra ou qui veulent travailler ou qui veulent découvrir hein, ce que c'est que de vivre dans un pays musulman, je conseille. C'est mieux que la France. Mais voilà, il faut faire attention. Ça reste un pays très développé, très ouvert, Très un peu ouvert, plus ouvert que le Qatar. Et de ce fait, voilà, on ne se rend pas forcément compte que. ouais. C'est ça, c'est qu'il y a une grande différence. Moi, j'ai vu une différence entre Dubaï et Il n'y a pas de Qatar. restriction en fait à Dubaï, voilà. Ici, t'es plus à l'aise. Enfin, t'es plus à l'aise. Tu sais que, par exemple, voilà, t'as. Comme tu disais, c'est un pays beaucoup plus famille C'est que ça. voilà. Et je pense que ça fait vraiment la différence. Sur le Qatar, la différence, c'est que les gens peuvent dire, oh, on peut s'ennuyer, etc. Non, en fait, non, on s'ennuie pas. C'est simplement par rapport à ton état d'esprit, ta Ton projet, situation, quoi. ton Ton projet, quoi, projet. tout part du Ton projet, quoi. projet. Si Ton t'es en projet. famille, c'est vrai que Doha, le Qatar, c'est beaucoup plus intéressant, c'est plus tranquille, plus propre. On est derrière, on a West Bay, là, donc c'est magnifique, on a un peu les mêmes tours quasiment qu'à Dubaï, mais y a quand même une différence, il y a quand On même une va dire c'est différence. un au Qatar c'est un peu plus apaisé. Apaisé, ouais, Voilà, pour la exactement, ouais. famille, je pense que c'est top. Mais après, pour pas être dur avec les Émirats, t'as certains Émirats où t'as Oui, à tu peu parlais près de que Sharjah juste avant. t'as Sharjah, t'as Abu Dhabi qui est un peu T'as Abu plus calme, Dhabi, qui est ouais. plus calme que Ouais, Dubaï. Voilà, Dubaï, ça doit pas rester la référence de ouais. Ouais, l'expatriation pour les francophones. C'est vrai que là-bas, il y a une grosse communauté francophone à Dubaï, ça peut aider, ouais. Ouais. surtout pour ceux qui veulent Ça se peut aider lancer dans ou l'entrepreneuriat. le Puisque contraire, oui, il y a des facilités, ouais. ouvrir une Après, un réseau, société, comme tu voilà. disais, C'est vrai que c'est plus simple. Ouais. c'était important. Donc, on a parlé un peu des cours des savants. Tu as dit que voilà, depuis l'embargo, c'est un peu compliqué, mais il y a quand même des Il y a des bases. Enfin, il y a quand même intervenants, des il y a des intervenants. intervenants. Allah mabarek, c'est important. Et donc, des madrasas pour les enfants, l'apprentissage pour les francophones à l'école que tu as cité juste Et avant, j'ai puis oublié. l'apprentissage de l'arabe, même dans les écoles françaises, est D'accord. assez poussé. Donc en C'est fait, pas du non, alif-bet-essay. c'est quasiment 3-4 heures par semaine Ah, c'est bien, d'arabe. c'est pas mal. Et la plupart des gens font des cours d'arabe en parallèle pour leurs enfants. Donc il y a moyen de vraiment de pousser l'apprentissage, hein, même à l'école, je veux dire. Ok. Que conseillerais-tu à quelqu'un qui voudrait venir au Qatar? C'est-à-dire qu'il est encore en France, il est encore dans un autre pays, en Belgique, je sais pas, n'importe où. Quels sont les conseils que tu pourrais lui donner avant de venir ici? D'accord. Donc j'ai envie de dire, je vais dire d'un point de vue aussi bien au niveau du travail que de la religion. Donc déjà de bien déterminer son projet, ça je l'ai dit plusieurs fois, savoir ce qu'il veut. Voilà, est-ce que c'est pour ouvrir une société? Est-ce que c'est pour être employé? Quel secteur? Qu'est-ce qu'il cible? Est-ce qu'il y va seul, avec sa famille? Voilà, vraiment déterminer son projet. Ensuite, prévoir une épargne. J'ai envie de dire, dans toute expatriation, il faut un minimum d'épargne. Il ne faut pas non plus des centaines de milliers d'euros, non, mais il faut venir avec un minimum histoire de s'assurer une installation confortable. Donc ça, c'est important. Après, il faut se dire aussi, d'un point de vue religieux, que si le but, c'est de s'améliorer dans la religion, forcément, ça va y contribuer. Mais il faut se dire que c'est un plus. Tous les efforts qui doivent être faits, ils doivent être faits en amont. Ça veut dire une personne qui pousse son apprentissage en arabe, qui va à la mosquée, qui pratique sa religion, elle doit le faire en France
et ce sera une continuité au On va Qatar. pas s'attendre Il ne faut ici pas à... Ouais, s'attendre à exactement. venir au Qatar pour changer. Ah, t'as Non, raison. c'est juste faciliter sa vie en fait. C'est ça le plus important. Donc vraiment définir aussi son projet religieux. Est-ce que je vais dans un pays musulman pour faire ma hijra? Quel est le but en fait? Ou est-ce que je vais juste faire une tentative, je tente, je vois ce que c'est et après je reviens en France? Ah, c'est important ce Ça, que c'est tu dis, important de ouais. savoir comment tu places ton intention. On parlait de précarité tout à l'heure, il faut y penser. Il y a une grosse précarité et du coup, le religieux doit prendre le relais. Quand je dis ça, je dis qu'il faut savoir placer sa confiance en Allah. Je pense que quand on s'expatrie, il faut savoir placer sa confiance en Allah. Il faut pas juste le dire, il faut y croire parce qu'on peut se retrouver dans des situations difficiles. Et voilà, Allah peut faciliter toute chose. Et bienvenue là, ça peut être une formidable aventure et la continuité d'une longue aventure. Ah, moi, j'en doute pas. Moi, je pousse les gens justement à sortir de De la cette zone de zone, confort, ouais, ouais. cette zone de sécurité, tu vois, cette zone C'est de ça, ouais. sécurité, tout se passe Et ça bien. Et plombe, hein, ça plombe dans tout, professionnellement et ouais, religieusement. c'est sûr. Hein, si tu laisses tout ton expérience, enfin tout ce que tu laisses derrière toi et tu vas t'installer dans un nouveau pays, c'est sûr que ça va pas, ça va changer. Donc, bien définir son projet, bien le chiffrer. Exact. Bien mettre son intention. Donc ça, c'est avant le départ. Ça, c'est Et avant le départ. quel conseil tu donnerais à une personne qui s'est installée depuis 6 mois ici? Et je pense que ça, c'est des conseils plus importants même, parce que y aller, c'est une chose, mais rester, c'en est une autre. Je vais dire quelque chose d'assez banal, mais le plus important, je pense que c'est la patience. Ouais. C'est la patience, c'est se dire que c'est une nouvelle aventure, c'est quelque chose de différent. Les choses différentes sont parfois contraignantes. Et du coup, se dire, voilà. Une fois qu'on a bien déterminé son projet, ne pas se dire, ah non, à la moindre difficulté, je prends mes bagages et je rentre en France. Ça ne doit pas marcher comme ça. Tu dois le dire souvent, mais faut éliminer le plan B. Dès qu'il y a un plan B, en général, le plan A Ouais, c'est sûr, est gâché. faut être focus, faut Donc, pas lâcher l'affaire, quoi. ce qu'il faut se dire, c'est patienter un maximum, se donner sa chance, et encore une fois, faire des doigts, demander à ce qu'Allah facilite les choses, et voilà, patienter un maximum et redoubler d'efforts. Ici, on peut franchement avoir de grosses opportunités, peut-être des opportunités qui sont moindres en France. Comme je disais, l'habit fait pas le moine. Au Qatar, voilà, si tu as la barbe, si tu as le voile, que tu sois un homme ou une femme, on ne fait pas attention, on va regarder tes compétences. Donc si tu es quelqu'un de compétent et d'ambitieux, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Il faut juste pas perdre cette ligne directrice. Pourquoi je viens m'installer? Qu'est-ce que je cherche? Et à partir de là, rien ne peut arrêter, Ouais, c'est vrai, non, rien ne peut c'est. arrêter la personne. Hein. Donc, la patience. La patience, hein. La Je pense patience que et c'est rester le plus important. focus. Son intention. Et bah, je pense que c'est déjà pas mal du C'est tout. déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Écoute, Mohamed Baraklou, fixe sincèrement Oufik d'avoir Barakallah, merci à partagé toi. ton expérience, tes connaissances par rapport à ce pays-là qu'on connaît que à travers des C'est reportages. vrai. Et c'est des personnes, voilà, bon, on ne connaît pas les personnes qui sont derrière les caméras, mais voilà, j'ai voulu faire ce reportage-là et cette interview-là pour avoir le maximum d'informations sur l'installation au Qatar et toutes les informations. Voilà, Clafic, d'avoir pris le temps d'avoir accepté mon Barakallah, invitation. merci à toi. J'espère que ce reportage-là sera bénéfique pour beaucoup de monde. J'espère que j'ai pu répondre à tes questions. Ouais, Inch'Allah, et merci, Mohamed. Merci à toi. Barakallah. Assalamu alaikum. Alaykoum salam. Donc on arrive à la fin de ce reportage. J'espère que ce reportage vous a permis d'en savoir un peu plus sur ce pays, ce beau pays qui est le Qatar. Pour faire ma petite conclusion, je dirais que le Qatar se résume à trois grosses qualités. La première, c'est que c'est un pays musulman, sans aucun doute, c'est un gros point positif. Le deuxième, je dirais que c'est la sécurité. La deuxième chose qui est super importante ici, c'est le fait de se sentir en sécurité. Et ça, très peu de pays le proposent. Ça peut paraître bizarre, mais le fait de laisser son téléphone quelque part, le fait de laisser sa voiture ouverte, tout ça en fait, il y a un gros poids qui s'enlève. Et quand on compare avec les autres pays, eh ben, c'est une très très grande qualité. Et le troisième point que je dirais que c'est la troisième grosse qualité, c'est la propreté. Ici, il n'y a même pas un papier par terre. Que ce soit dans les rues, dans les centres commerciaux, dans les mosquées, ben, la propreté, elle est là. Et ça, pour un pays musulman, bah c'est une très belle image parce que c'est ça qu'on doit transmettre, nous les musulmans. Dans ce tableau, je dirais que
Il y a quand même un point négatif, parce qu'il faut quand même dire les points négatifs de ce pays-là. C'est justement, c'est que c'est parfait et c'est même trop parfait. Où est-ce qu'on va, c'est poussé à la perfection. Que ce soit dans les mosquées, dans les centres commerciaux, peu importe où on va, dans les parcs, et bah, tout est poussé à la perfection. Et je dirais peut-être que c'est ça le point négatif, c'est qu'il manque quelque, peut-être un charme de réalité. Mais bon, quand on fait la comparaison avec d'autres pays, si on fait un tableau, on met les avantages et les inconvénients, je dirais que c'est pas vraiment un point négatif. Et ok, la vie est chère ici, ça peut être aussi un point négatif, mais on paye les trois points positifs que je disais jusqu'avant, le fait que c'est un pays musulman, la sécurité et la propreté. C'est le prix à payer pour vivre ici dans un cadre quasiment idéal. C'est notre vie, c'est pas la même vie qu'il y a au Maghreb, c'est pas la même vie qu'il y a en Occident. En tout cas, j'espère que ce reportage vous a plu, et si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat et pourquoi pas venir au Qatar par le biais de l'entrepreneuriat, je vous propose une vidéo qui est totalement offerte, qui est dans la description, dans laquelle je vous montre comment il est possible de gagner 1 500 € par mois. Vous avez le lien dans la description, c'est le premier lien qu'il a dans la description. On se dit à bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.